La compagnie vend de l'électricité, puisque nous sommes en France, ça correspond un peu à EDF ici. Alors, la compagnie électrique ivoirienne, la compagnie ivoirienne de l'électricité, embauche 4800 travailleurs. C'est une compagnie qui est chargée de la production, du transport et de la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région. Voilà. Donc, ma venue à Préventica, en tant que médecin du travail, je suis venu pour deux raisons. Le premier motif, je suis venu d'abord pour apprendre, pour un retour d'expérience également, pour améliorer tout ce qui est qualité de vie au travail de nos collaborateurs à la compagnie de l'électricité, mais aussi pour voir tout ce qui est innovation technologique, tout ce qui est avancé sur toutes les questions qui concernent la santé et la sécurité au travail. Maintenant, le deuxième objectif de ma visite ici, c'est que Préventica est un congrès, un salon international qui présente beaucoup de choses. Et malheureusement, dans nos pays, en Afrique subsaharienne, il n'y a pas de congrès de ce type. Alors, Préventica a été délocalisé en dehors de la France par l'organisation de Préventica à Casablanca et Préventica à Dakar. Alors, il serait quand même pour nous, en tant qu'acteurs de la santé et sécurité au travail, que Préventica soit également organisé en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est le deuxième pays en termes de ressources économiques de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, mais le premier pays de l'Afrique francophone au niveau économique. Donc, il y a beaucoup d'entreprises et les entreprises ont besoin d'avoir des travailleurs en bonne santé pour être plus performantes. Donc, organiser Préventica en Côte d'Ivoire, ça va être l'occasion de tous les acteurs de la santé et sécurité au travail de se former, d'apprendre et de permettre à nos entreprises d'être performantes. Parce qu'il n'est pas forcément évident que tous les acteurs puissent avoir les moyens nécessaires pour participer à ce salon. Donc, délocaliser, organiser Préventica à Abidjan, ça permettra véritablement de faire partie, d'amener Préventica vers certains acteurs qui en ont besoin et qui en demandent.